Merci de nous rejoindre. Si vous venez de nous prendre en marche, vous regardez la télé s'amuse. On vous a promis une invitée de marque. Eh bien, elle nous a rejoint sur ce plateau. Mannequin, animatrice télé, actrice de cinéma. Elle est au Burkina Faso, à Ouagadougou, dans le cadre du FISPACO, avec la série dans laquelle elle joue en compétition, naturellement dans la catégorie série. On a le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau aujourd'hui Fat Touré. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci. Comment ça va? Mais ça va très bien. Alors, est-ce que c'est la première fois au Burkina ou Ah non, pas du tout. Je venais, vu que j'étais aussi mannequin, donc je venais beaucoup défiler ici, le Siaour, tout ça, je l'ai fait. D'accord. Donc, je connais un peu Ouaga. Alors, on va prendre juste un micro pour notre invité et on continue parce que là, sinon, les téléspectateurs vont dire, mais on n'entend pas ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle dit, la jolie demoiselle, elle parle, mais on n'entend pas. Vous allez entendre désormais ce qu'elle dit. Le parrain, pardon. C'est juste une question. Non, c'est une dame. Mais comme elle est en face, elle peut répondre. Bon, bah, il insiste. Vous êtes une demoiselle? Madame. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est fini. Fin de la discussion. Donc, Ouaga pour le FISPACO. Oui. Avec une série. Effectivement. Quelle est cette série-là? Alors, cette série, en fait, le gros, c'est Les coups de la vie. Oui. Et la série dans laquelle j'ai joué, c'est Amour et mensonges. Amour et mensonges. Ouais. Oh, allez-y comprendre. Donc, et ça se passe bien. La participation au FISPACO, on est assez confiant ou... Oui, je vous avoue que moi, c'est la première fois que je joue dans un film. D'accord. Et donc, quand mon producteur m'a appelé, il me dit, écoute, le film est sélectionné pour le FISPACO. Je dis, ah bon? J'étais surprise. Je dis, c'est la première fois que je joue et du coup, c'est toujours tout de suite sélectionné. Pour moi, c'est déjà une victoire. Ah oui. Ouais. Donc, le reste, ça sera juste de l'accompagnement. Sinon, là, voilà. La victoire est déjà le bonus. Là. Ah voilà. Ben, c'est bien. Et j'aime bien cette façon positive de prendre les choses. Et en général, il y a des gens pour qui, en général, coup d'essai, coup de maître. Effectivement. Et donc, bon vent pour la suite de la carrière. En tout cas, merci. Alors, entre-temps, on va allier cinéma, mannequinat, animation. Oui. Et chargée de com. Effectivement. Franchement, elle a tellement de casquettes. Beaucoup, hein. Comment elle arrive à gérer tout ça, Fatouri? À la base, je n'aime pas m'ennuyer. Ok. Je n'aime pas m'ennuyer. Donc, du coup, quand je me réveille le matin, mes journées, ça commence à 8h. Souvent, je finis à 22h. Ok. Oui, donc, comment je m'organise? J'ai toute une équipe aussi autour de moi. Donc, je ne suis pas seule. Okay. Je les salue au passage parce que sans eux, ça va être un peu compliqué. On ne peut pas tout faire. Voilà. Donc, la communication, bon, là, c'est mon métier de base. Donc, j'ai une maîtrise en communication, comme vous, je suis journaliste. D'accord. Et après, le mannequinat, ça a été une passion. Donc, depuis toute petite, j'ai commencé et tout. Et puis maintenant, on me sollicite maintenant pour les films. Je me dis, why not, quoi. Ben oui, on essaie et puis on voit ce que ça va donner. Effectivement. Et Fat Touré, en général, c'est une que l'on voit beaucoup, qui a longtemps été qualifiée de jet-setteuse. Ouais. Ça me suit, ça. Absolument. Absolument. Et pourtant, non, je veux dire, parmi les... Bon, je ne me considère pas comme une star, hein, mais parmi les stars à Abidjan, les personnes ont vu, en tout cas, je fais partie de celles qui sont très discrètes, par contre. Oui, okay. Je suis très discrète. Mais d'où ça vient, alors, ça? Bon, peut-être que c'est ma petite façon de vivre, je ne sais pas. Peut-être que c'est ce qu'on qualifie de jet-setteuse. Mais moi, j'aime tout ce qui est bon. Bah, c'est normal. J'aime tout ce qui est bon, j'aime tout ce qui est beau, j'aime les endroits très paradisiaques qu'on n'a pas l'habitude de voir, j'aime découvrir. Donc peut-être c'est par rapport à ça, on se dit qu'elle a une vie de jet-setteuse. Mais je prends, hein, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça, c'est sûr. Bah, merci beaucoup. Je vais peut-être suivre les traces de Fat Touré. Ah, c'est moi, je vais vous suivre. En tout cas, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Donc, avec vous, on discute de notre thème juste après notre dernière rubrique. Oui, parce qu'il en reste une des rubriques. Vous le savez, tous les lundis, on part à la découverte d'un corps de métier à travers une personne. C'est le moment à la sueur du front. Alors, on se tourne vers Grace. Alors, Grace, où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? On va aller à la découverte d'un monsieur très battant qui ne s'est pas lassé de chercher, travailler pour atteindre ses objectifs. OK. Et voilà. Il savait ce qu'il voulait dès le bas âge. Bas âge, oui. Voilà, il s'est donné les moyens pour atteindre ses objectifs, comme je le disais. On va regarder l'élément et on revient. Regardons.
moi, c'est Thomas Ilboudo. Je suis un imprimeur commerçant. Nous ne sommes pas de l'imprimerie. C'est ceux qui font des calendriers, les cartes de vœux, les cartes de mariage. Tout ce qui est communication sur le papier. Voilà, vous voyez les t-shirts, les casquettes, les porte-clés, c'est notre domaine. Voilà les documents que vous voyez dans les services. Voilà, c'est nous qui imprimons ça. J'ai parti voir un tonton qui a un imprimeur. Il a accepté de me prendre. Je n'ai pas payé pour apprendre. Il m'a pris comme un apprenti. Je suis là, bon, de temps en temps, il me montre comment faire. Il me montre aller payer les matières premières, petit à petit. J'ai démarré en 2008 jusqu'en 2010. Mais dès que je suis devenu un jeune qui a commencé à gagner un peu l'argent, c'était un peu difficile à continuer parce qu'il n'y avait pas un salaire pour moi. Donc j'ai demandé la permission à mon tonton pour arrêter et sortir, commencer à moi-même parce que j'ai un peu les notions. Bon, je peux sortir débrouillé, voilà, gagner à manger maintenant. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, il faut sortir. Dès que tu ne comprends pas quelque chose, tu reviens. Donc j'ai commencé à tourner en vélo avec un petit sac devant. Je pars chez les commerçants, je dis bonjour, voilà, je suis un imprimeur, je fais des cachets, je fais des cartes de visite, des factures. Voilà, petit à petit, on me confie les petits travaux. Ce sont pas des difficultés. Même jusqu'à présent, il y a toujours des difficultés. On a croisé beaucoup, beaucoup de difficultés parce que ce n'est pas facile à mettre en place, louer une grande maison comme ça, mettre des employés en place, alors que le marché n'est pas garanti. Je n'ai pas eu un financement quelque part pour mettre mon entreprise en place. C'est le peu que j'ai gagné petit à petit, que j'ai essayé de mettre à côté. C'est ça que j'ai pris pour faire l'investissement. Première année, vraiment, c'était un peu dur. Il y a eu des moments pour payer même le loyer, c'est un peu difficile. Même les employés, tu peux dépasser le mois même pour payer. Il faut les appeler, négocier, dire ah, vraiment, comprenez-moi. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés pour arriver aujourd'hui. Ce que j'ai donné à mes frères, mes sœurs, entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Mais il ne faut pas voir que ce n'est pas facile, croiser tes bras, s'asseoir. Il ne faut pas dire que tu as eu la chance de faire tes études, prendre tes diplômes, en train de baser sur ça, et puis tu ne penses pas à quelque chose. Non, il faut commencer à mettre quelque chose en place. Il faut commencer à jongler, à débrouiller un peu. Il ne faut pas dire que non, bon, comme j'ai mon baccalauréat, j'ai mon BPC, bon, il y a la licence qui est là. Laisse tout ça et puis tu te lèves, mettre quelque chose en place. Peut-être le jour que tu vas gagner ton concours, tu as déjà mis une entreprise en place qui peut même te servir plus que l'État que toi tu es en train de viser. Ben voilà, donc un point de vue très clair. Hein, donc, c'est un conseil qu'il a donné. J'espère que beaucoup suivront ce conseil-là. Mais c'est sûr que grâce à beaucoup d'autres choses à ajouter... Oui, il a souffert, ce monsieur-là. Il a vraiment souffert. Il a dû laisser les études parce qu'il n'avait pas les moyens. À l'époque, il m'a dit... Oui, ses parents n'avaient pas les moyens, c'est vrai. Il m'a dit qu'à l'époque, la scolarité faisait 1000 francs. Oui. Mais pour avoir 1000 francs, c'était tout un problème. Il a dû... C'est son directeur... On imagine à peu près dans quelles conditions il était. Voilà. C'est son directeur d'école qui a payé ses études. Mm-hmm. Mais malheureusement, il n'arrivait pas à suivre. D'accord. Le niveau pour lui n'était pas assez... Voilà. Donc, il était obligé de laisser les études et se lancer dans la vie active. Donc, il a dit à monsieur le directeur, économisez votre argent, je vais me chercher. Mais il s'est lancé dans la vie active. Oui. Il a cherché jusqu'à ce qu'il voie le travail. C'est dans ses multiples balades pour vendre des trucs par-ci, par-là. Mm-hmm. Il s'est retrouvé dans l'imprimerie de son oncle et ça l'a... Il a pris goût à la chose. Et son oncle a accepté le former. Et voilà. Ensuite, il est devenu indépendant. Il est devenu indépendant 10 ans après. Et pour être
arriver à là où il est actuellement, c'était pas simple. Bah il oui. a dû faire le tour à vélo, chercher le marché et tout. Et c'est dans ça. En fait, c'est la partie la plus importante que souvent certains choisissent d'occulter en imaginant qu'on peut commencer et réussir du tic au tac comme ça. On a tendance à oublier la partie souffrance de ceux qui sont au sommet aujourd'hui. On se dit, j'ai envie d'être comme lui, mais j'ai pas envie de faire son parcours. Alors que non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, comme ça. Il a vraiment souffert. Et pour implanter son entreprise, même, il a dû, les économies qu'il a eu à faire avec les différentes ventes qu'il faisait, mm-hmm. c'est avec ces économies-là qu'il a pu mettre en place son entreprise sans secours extérieur. Mm-hmm. Voilà. Et ce n'était pas évident. Il a dû commencer tout petit mm-hmm. pour voilà, pouvoir être là où il est. Okay. Il embauche même des universitaires. Hein. Bah, lui, ça, j'imagine quand même. Bah, c'est lui le patron aujourd'hui. Oui. Donc, voilà, il n'a pas les diplômes, mais il emploie des diplômés, tout simplement. Voilà. Parce que oui, il sait qu'il y a peut-être des domaines qui le dépassent, parce qu'il n'a pas la formation. Donc, mais il a l'intelligence de s'entourer de personnes qui ont la formation. Mmh. Et c'est tout simplement ça. Ça ne sert à rien de se dire, bah, je n'ai pas la formation, je suis obligé de faire un petit truc pour subvenir à mes besoins. Non, il faut rêver grand, aspirer à faire de grandes choses. Et vous allez voir que peu importe ce que vous voulez faire, du moment que vous travaillez, que vous donnez les moyens avec beaucoup de courage et de persévérance en général, finit par y arriver. Voilà. Et il ne s'est pas juste limité à faire de l'imprimerie seulement son métier. Il a joint à ces trucs-là la vente de tout ce qui est fourniture, tout ce qui est... Tu avais dit quoi ? Papeterie. Vas-y. D'accord. Exactement. Fourniture scolaire, fourniture de bureau. Voilà. D'accord. Il livre, c'est un commerçant imprimeur. Bah oui, voilà. Tout simplement. Et il se réfère, il est assez intelligent. Hein. Il se réfère toujours à ses anciens camarades de classe mm-hmm. pour voir si il est au même niveau que. Et s'il y a quelqu'un qui est devant, il travaille plus dur, plus dur. Il y a un qui est devant moi, il faut que je le dépasse. Et il a beaucoup de projets. Et je pense que ça, c'est ça la meilleure philosophie. Voilà. Entre la personne qui regarde, on dit, il ne faut pas envier ton camarade, mais quand tu vois qu'il est devant toi, travaille pour atteindre son niveau, au lieu de perdre ton temps à vouloir le bloquer. C'est ça, il ne faut pas aller dire ça sur le plateau. Mais bon, j'ai eu le boulot. Je n'ai pas de marque. Je n'ai pas dit non de quelqu'un, mais... Et monsieur le boudot, on considère que c'est de bonne guerre. C'est la meilleure manière d'agir. Regarder et se battre pour y arriver. Il n'y a rien de mieux. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Chose? Non, c'est tout. Et qu'est-ce qui t'a marqué? Tu ne nous as pas dit ça. Qu'est-ce qui t'a tiqué? Non, on ne peut pas laisser passer ça. C'est la partie du film, là. Bah, tu sais bien que c'est ce qu'on attend. C'est son courage. Et puis, la partie qui m'a plus là. Ah bah voilà, on y est. Enfin. Quand il a dit, je me réfère toujours à mes camarades de classe. Mm-hmm. Si quelqu'un est devant moi, je fais tout pour aller. Mm-hmm. Voilà. Ça m'a... On ne rencontre pas ça de nos jours. C'est une très bonne philosophie. Ils vont tout faire pour t'amener en bas. Mais pour te dépasser, non, ils vont tout faire pour que tu... Que vous ayez la même chose. Voilà. Ouais, ça, franchement, c'est une bonne philosophie. Je pense qu'on peut rester sur ça. Son histoire, oui. C'est cette partie de son histoire qui m'a marquée. OK. Bah, merci beaucoup. À toi, Grace. Lundi prochain, on découvre une autre personne. Oui, je pense que lundi, on change de catégorie. Voilà. Et on va beaucoup s'intéresser aux dames. Mm-hmm. Et si peut-être Madame Fat Touré est disponible... On pourra peut-être la faire. Ce sera notre premier profil de mars. Avant qu'elle ne parte. Ça sera avec plaisir. Voilà. Bah, c'est décidé, c'est calé, on le fait juste après l'émission. On te demande, c'est déjà calé. Hi. Non, c'est fini, c'est déjà calé. Maestro, moi, je vais m'occuper personnellement de ça. Maestro, Gala, toi aussi, tu ne filmes pas. Non, j'ai dit, je vais m'occuper personnellement maestro. De ça. Bon, alors, maestro, c'est toi qui vas faire le cadrage. Alors, maestro. Quand tu es le seul garçon. Non, que je te dise quelque chose. Oui. Tu aurais pu le faire si on ne l'avait pas reçu sur ce plateau, tu l'aurais reçu en scoop. Mais demain, si tu nous l'amènes, on te dira, non, elle était sur le plateau hier, c'est plus un scoop. Donc, je suis désolée pour toi. Et en plus, elle est là avec son agent, donc je ne suis pas sûre qu'il y ait un poste pour toi encore dans le cadre. Oui. Je suis désolée. Il peut y avoir un co-agent. Ça, ça bah, elle peut répondre. Il y a encore de la place pour embaucher dans le staff. S'il travaille gratuitement, il ne veut pas de salaire. Ah. Bon, là, je vois que tout le monde est contre vous, mais moi, on va l'accepter. On va accepter, il sera le co-agent. Voilà. Je savais qu'on allait m'accepter. Quand je vous disais que c'est la pure jalousie. C'est un problème. C'est un cas. Eh bien, les amis, à présent, je pense qu'on peut évoluer vers notre thème du jour avec la permission de tout le monde. C'est bon, on peut y aller ?
Yep. Oui. Voilà. Vous voyez que je mets souvent de l'eau dans mon vin. En fait, je suis la dictatrice du plateau. C'est moi qui décide. La dictature. C'est une dictature ferme. Et voilà. Mais à des jours, je suis un peu souple. Je fais semblant. Hein, parce que, de toutes les façons, même s'ils disent non, on va partir pour le thème. Juste après le jingle. Alors, on le disait, comme en ce moment, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de célébrités à Ouagadougou, on a envie de poser cette question à vous, chers téléspectateurs, également sur cette table, et à vous, chers internautes qui nous regardez. Et je profite de vous rappeler, pour ceux qui sont loin, qui prévoient de voyager, qui se disent, ben, on va quitter le pays, on ne va plus pouvoir suivre les programmes de BF1, il vous suffit de télécharger l'application Sanga TV et vous avez les programmes en direct dans votre smartphone. Donc, allez-y, faites-le. Si vous ne l'avez pas encore fait, tout simplement, on est ensemble tout le temps. Et on va faire notre premier tour de table pour recueillir les avis sur notre sujet ici. Vous le savez, en général, à tout seigneur, tout honneur, quand on a un invité, bah, on le jette à l'eau en premier. Voilà. Je ne sais pas si c'est gentil, mais c'est ce qu'on fait ici. Donc, on pose la question à Fatouré pour commencer. Est-ce que la célébrité, ça change la nature d'une personne? On va dire oui et non. D'accord. On va dire oui et non parce que bon, il y a des personnes tout de suite dès qu'elles sont vues, elles changent. Ouais. Elles changent de comportement, de façon d'être. Il y a des personnes par contre qui restent telles qu'elles sont. Mm-hmm. Elles ne changent pas. C'est vrai que quand on est célèbre, je me sens guillemets, quand on est célèbre, c'est vrai que. Si elle n'accepte pas sa célébrité, nous on va le dire et on insistera. On a une célébrité sur notre plateau, quoi qu'elle en dise. Merci. C'est vrai que la vie change quand même parce que vous devenez une personne qui ne passe pas inaperçue. C'est sûr. Il y a plein de personnes qui vous adulent, vous ne les connaissez même pas. Mm-hmm. Et moi, ce qui me touche tout le temps, je me dis dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr. Donc, quand une personne s'approche de vous et vous dit « vous me plaisez », pour moi, c'est le plus beau cadeau que des personnes m'offrent en me disant vraiment « vous me plaisez ». Et je pense que quand on est célèbre, il faut faire très attention. Je veux dire, quand une personne s'approche de vous, elle n'est pas obligée de s'approcher de vous. Ouais. Donc, il faut être un peu sympa. Même si c'est 30 secondes, vous allez lui accorder pour lui faire un sourire et partir, il faut le faire. Parce que ça peut être frustrant d'apprécier quelqu'un et cette personne vous rejette ou elle vous snob. Il ne faut pas snober, on est tous pareils. Exactement. Vous avez juste eu la chance d'être tiré comme ça et d'être plus vieux que les autres. C'est tout. Hein. Sinon, tout le monde peut être vu. Voilà. Donc, moi, je me dis, quand on est célèbre, il ne faut pas changer. D'accord. C'est vrai que votre mode de vie va peut-être changer. Il y a des choses que vous ne pouvez même plus vous permettre. Mm-hmm. Et au contraire, en Afrique, c'est très difficile quand on est célèbre. Vous ne pouvez plus emprunter le bus, prendre les voies, c'est compliqué, machin et tout. Donc, il faut rester soi-même. Quand vous restez soi-même, quand vous le faites, ça passe. Il y a des changements qui sont obligatoires. Qui sont obligatoires. Après... Vous essayez vous-même de changer aussi de rythme de vie, de manière de vivre et tout. Mais il faut rester soi-même. Mais rester soi-même, c'est, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas un peu un piège? Parce que rester soi-même, si on est une bonne personne, dans le fond, oui. Oui, c'est mais vrai. Mais soi-même, si déjà on n'est pas forcément une personne facile à vivre, est-ce c'est qu'on vrai, n'est pas obligé quand plus on est compliqué. Est-ce qu'on peut rester soi-même? Si on est une personne, je n'aime personne, laissez-moi tranquille, je vais être seule, et qu'on devient célèbre. Ouais. Est-ce qu'on peut continuer à être comme ça? Pour moi, personnellement, peut-être je vais prendre mon cas. Moi, personnellement, je n'ai pas changé. D'accord. Je veux dire, moi, mes amis d'enfance, des personnes que je connaissais depuis, je les garde, je les ai. Les personnes que je rencontre aussi également, je les garde. Moi, je pense qu'il ne faut pas changer. Mm-hmm. Faut essayer de rester soi-même. Ce n'est pas évident parce qu'il y a des personnes, surtout en Afrique, dès qu'on a une petite célébrité, on commence à être guindé, on pense que voilà, on est arrivé. Mm-hmm. Mon frère, ma soeur, on n'est jamais arrivé. Donc, il faut y aller doucement. Ça, c'est sûr. Voilà. Sinon, il y a des personnes, carrément, ça les change. Mm-hmm. Limite, même s'ils vous connaissaient, ils ne vous connaissent plus. Mm-hmm. Aujourd'hui, ils ont des... Peut-être on n'est plus la même chose. Bon, on n'est plus pareil. Voilà. Ils ont des accessoires que peut-être les autres n'ont pas. Ils essaient de se faire voir par n'importe quelle manière. Une fois que tu es vue, tu n'as pas besoin de trop de tralala. On te voit déjà. Donc, vas-y doucement, quoi. OK. Voilà. Ben voilà, ça, c'est le message de Fatouré. Comme il est tout huit comme ça, on va lui permettre de réagir sur la question. Est-ce qu'on peut réellement se permettre de ne pas changer quand on devient célèbre? Moi, je crois que quand on est célèbre, c'est obligatoire. On doit changer de mode de vie et... C'est pas parce qu'on a envie de changer qu'on change, mais on change parce qu'on n'est plus la même personne.
Ok. Voilà. Est-ce qu'on n'est vraiment plus la même personne? Parce que c'est une même personne sur qui on a mis de la lumière, mais c'est toujours vous. Du moment où la lumière est sur toi, il y a des comportements que tu ne peux plus te permettre. Donc, entre griffes, tu n'es plus la même personne. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de Floby, par exemple, qui est très célèbre au Burkina Faso, même en Afrique. Et quand Floby ne peut plus aller au grand marché, ce n'est pas possible. S'il arrive au grand marché, c'est sûr qu'il va faire toute la journée là-bas. Parce qu'on va c'est vrai pas que le Floby, justement, tu fais bien de le citer dans son titre « Né pour briller ». Il dit « Je n'ai pas changé, j'ai juste évolué ». Voilà. Donc, cette évolution-là ne te permet pas d'être comme avant. Voilà. Donc, il faut le dire, quand on est célèbre, tu deviens automatiquement également un exemple. Non, mais là, moi, j'ai envie de dire, là, c'est le mode de vie qui change parce que ça impose le changement. Parce que tout ça, un Floby au grand marché, on imagine quand même le meute qui va se passer là-bas. C'est sûr que le mode de vie et la nature vont ensemble. Ah bon? Oui. Le mode de vie, c'est la nature qui fait ton mode de vie. Ok. Voilà. Donc, si ta nature n'a pas changé, ton mode de vie ne peut pas changer. Ok. Voilà. Apparemment, aujourd'hui, ta voisine ne va pas s'aligner. Hein. Je la vois déjà faire non de la tête. Oui. Donc, grâce patiente, tu parleras tout de suite. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Oui. Donc, si on change, on est obligé de changer, mais en même temps, ce n'est pas que le mode de vie, la nature aussi change. Par exemple, quelqu'un qu'on connaît, très humble. Mm-hmm. C'est vrai que s'il devient célèbre, il va toujours garder cette humilité, mais d'une autre façon. C'est-à-dire? D'une autre façon, parce que quand on dit quelqu'un humble, tu vois, on peut te croiser à tout moment, tu manges avec des gens du quartier. Mais quand on devient célèbre, c'est sûr que même si tu vas manger la même nourriture, peut-être que ça ne sera plus dans les mêmes endroits. Parce D'accord. que c'est déjà, quand on te voit, on t'envie, on te dit ouf, ouf. Et finalement, quand on te voit assis au bord de la route en train de manger avec les autres, on te dit ouf. Tu vas baisser, mais c'est même plus la peine, parce qu'on est la même chose. Tu vois? Il y a un D'accord. mythe. Quand on est célèbre, il y a un mythe autour de toi. Il faut cultiver le mythe. Voilà, il faut pas cultiver casser. Ce mythe-là. Okay. Parce qu'aujourd'hui, quand ce mythe est brisé, tu reviens comme... Donc, il n'y a plus de célébrité. Il n'y a plus de célébrité. Ok. Voilà. Donc, la célébrité doit rester inaccessible pour être célébrité. Pour être célèbre, okay. il y a un mythe qui est là. Il faut garder cela. Ok. Pour garder la célébrité. Ok. Parce qu'on n'est plus une autre personne. On n'est plus comme les autres personnes. Ok. Entre griffes. Ok. Voilà. Je vois une grâce débutative. On va écouter son intervention. Alors, en temps normal, c'est une équipe soudée. Hein. Personne ne se met entre... Mais là, je sens que ça va changer. Alors, grâce. Oui. Alors, est-ce que la célébrité, ça change la nature d'une personne? Si la personne change, là, c'est que la personne, au fond, n'était pas... Sa nature n'était pas réelle. C'était pas sa vraie nature avant d'être célèbre. Elle faisait juste semblant. Moi, okay. je connais beaucoup de trucs. Je vais citer le nom de Rihanna Tazongo, par exemple. C'est une célébrité, mais elle est restée telle. Une de nos meilleures actrices. Oui, elle est restée telle, elle n'a pas changé. Moi, quand je la vois, je me suis sambouté, je dis, mais attends, elle a les moyens pour se payer une voiture, pourquoi elle ne le fait pas? Mais elle est restée elle-même. D'accord. Elle a l'habitude de venir à la maison pendant les fêtes pour aider. Peut-être que c'est son mode de vie qui n'a pas changé. Non, on parle de nature. Je parle de sa nature. La nature même, d'accord. Elle est humble de nature, en fait. Elle n'essaie pas de faire au-delà de... Il y a des gens qui forcent pour, par exemple, parce que tu passes à la télé, il me faut, par exemple, forcément une voiture, ou soit il me faut forcément... des trucs comme ça, pour D'accord. juste ne pas ressembler aux autres, pour montrer aux gens que voilà, on n'est Excuse-moi, pas comme les... Est-ce qu'on a besoin de passer à la télé ou être une célébrité pour aspirer à évoluer dans son mode de vie? Non, pardon? Justement, dans son... Parce c'est que, un exemple, en fait, c'est un je exemple. Je sais, mais je veux dire, est-ce qu'on a besoin d'être célèbre pour aspirer à ça? N'importe non. qui aspire à non. changer, à avoir la dernière voiture à la mode et tout ça. Je parle de ceux-là oui. qui veulent forcer, par exemple, pour changer leur nature à travers le matériel, par exemple. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'ils peuvent se permettre ce matériel maintenant? Parce que si tu ne pouvais pas te le permettre quand tu n'étais pas célèbre, maintenant tu es célèbre et riche, si les deux viennent ensemble, pourquoi continuer à vivre comme si tu n'avais pas les moyens? Parce que quand je dis ça, il y a beaucoup qui écoutent. Par exemple, il a dit... Tu ne peux plus t'asseoir manger, par exemple, du moule masse avec les gens parce qu'il y a un mythe et tout. C'est par exemple ces personnes, quand tu sors à la télé, beaucoup vont te dire, il faut faire ci parce que tu n'es plus comme les autres, il faut faire ci parce que tu n'es plus comme les autres. Et toi, tu vas te lever, tu vas faire ci, comme... parce qu'on t'a dit, fais ci pour ne plus ressembler aux autres. Je D'accord. parle de cet aspect-là, en fait. Okay. Mais elle, par exemple, quand je prends elle son exemple, elle ne fait pas fi de ce qu'on dit autour d'elle. Elle vit selon ses moyens, elle vit selon comme elle l'entend. Et puis voilà, les choses... Est-ce que justement la célébrité, ce n'est pas le moyen de vivre vraiment comme on l'entend, sans tenir compte de tout ce qu'il y a autour? Mais Parce que oui, en ce moment, on se dit,
ah oui, mais c'est elle, donc c'est normal, eux, ils peuvent. Est-ce que quand on est célèbre, on peut justement se permettre d'être vraiment soi? Une seconde. Non, vas-y. Une seconde. Je me rappelle, il y a un artiste qui me disait qu'un jour, lui, il était à moto. Mm-hmm. Quand lui, il est arrivé au feu, il y a des gens qui sont venus. Ah, attends, artiste, le mot, ah. Quand tu vois à moto, c'est qui va aller sur ton spectacle encore? Mais justement, c'est ça. Les gens t'ont mis à un certain niveau. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand on te voit à moto en train de circuler avec nous, on s'assoit, on mange ensemble, pourquoi aller payer encore pour te suivre? Mais attends, ce qui... est-ce que ton travail est lié à ça? Ce que vous dites, mm-hmm. c'est ce qui crée aussi des problèmes aux stars. Non, mais c'est ça, justement. Parce que quand elle veut faire ça, les gens se disent, oh, mais maintenant elle pense qu'elle est arrivée. Les gens commencent à vous critiquer parce que vous avez décidé de changer de mode de vie. C'est justement cette critique que tu ne dois pas suivre. Parce que donc, tu as un certain niveau qui ne te permet pas d'être comme tout le monde. En fait, c'est voilà. la nature ne doit pas écouter Armel. Moi, je trouve que, en quelque sorte, un griffe, la célébrité change les gens et d'autres, ça ne les change pas. D'accord. Parce que moi, je peux prendre un exemple. Je côtoie beaucoup, je les maquille. Bah, mais oui. Tu vas voir certains qui vont venir. Ils n'ont même pas de problème. Ils sont tellement... Tu n'arrives même pas à croire que telle personne... Ils sont simplement eux. Oui. Et d'autres mais là, on va dire Armel... une célébrité et puis une politesse. Non, c'est pas la même chose. Je veux dire, Armel, est-ce qu'on va pas dire c'est parce que toi, tu as la chance de les approcher parce que oui, la maquilleuse, c'est normal, elle est à côté. Donc, elle est pratiquement dans votre vie. On lui parle, on lui raconte des choses. Donc, c'est normal qu'il y ait une proximité avec sa maquilleuse. Mais... pour les autres, mais ils peuvent pas forcément s'approcher. Il y en a aussi. C'est sûr que on a l'impression que. Il y en a aussi où on rencontre quand elles arrivent, c'est tellement difficile et même insupportable. Ok. Donc on rencontre les. Voilà ce que je disais. Insupportable. Est-ce que c'est pas une personne insupportable avant d'être célèbre? C'est ça justement. C'est ça. Bon, si tu connaissais la personne avant, je pense que c'est plus facile de répondre. Mmh. Mais là, comme Tu découvres une célébrité insupportable, c'est peut-être parce que... Oui, c'est peut-être parce qu'elle est célèbre qu'elle se comporte ainsi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment difficile. Mais mieux, c'est toujours mieux de rester soi-même. Okay. Parce qu'on est tous pareils. Qu'on passe à la télé, qu'on soit une célébrité du cinéma Je pense qu'on est tous des humains. Donc, il faut rester... tel qu'on est. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de différence. Oui. Si, par exemple, si on doit changer pour donner un exemple aux autres, lui, mm-hmm. par exemple, il disait, si tu arrives au feu et tu es une célébrité, tu ne dois pas brûler le feu, sinon... Mais tu peux changer. Oui. Non, c'est comme elle a dit, on ça peut changer et on peut... On peut rester comme telle. Mais ta nature même là... La nature profonde de la ne personne... Ne change pas. À moins que la personne n'est vraiment... Mais est-ce que souvent on ne refuse pas de voir la nature d'une personne et une fois que cette personne devient célèbre, on se dit ah tiens, elle est comme ça, c'est ce qu'on alors qu'elle a toujours été comme ça. On refuse de voir ça. Est-ce que souvent ça n'arrive pas? On se dit ah elle en réalité depuis qu'elle est célèbre, elle est comme ça alors qu'elle a toujours été comme ça, mais on a toujours fait l'impasse sur ça. comme certains le disent, l'argent fait ressortir la vraie nature d'une mm-hmm. personne. C'est aussi simple que ça. Donc la nature, célèbre, la célébrité, si c'est... Si après, tu deviens très impoli, excusez-moi, mm-hmm. c'est que tu l'étais déjà. C'est ça, voilà. J'attendais juste une occasion, bien un moment. Pour le montrer, quoi. Ben voilà, tout simplement. Alors, on va voir les commentaires sur notre page Facebook où nous avons Azarata Odraogo qui nous dit « Selon moi, ça ne change pas ». Ado Hubert Soubeiga qui nous dit « Mais c'est normal que la célébrité change la personne. » Donc oui. Jérémy Tapsoba, oui, la célébrité change une personne. On a Jean Nataman, mais si, ça change, tout simplement, sans plus. Issaka Kombel-Pagré nous dit, non, la célébrité ne change pas une personne, mais plutôt ses habitudes. Être vu par bon nombre de personnes, il faudrait changer ses habitudes pour une critique ou un changement de mauvais caractère, habillement, par exemple. La célébrité ne devrait pas en aucun cas changer l'homme. Bonne journée. Merci beaucoup, Issa. Daouda qui nous dit, lui d'un côté, oui, parce que étant célèbre, la société même te respecte. Pour ce faire, ta nature change du coup. Est-ce que le respect de la société impose le changement? J'en suis pas sûre, mais bon, c'est son point de vue. Aristide Sommet, la célébrité peut changer une personne à partir du moment où la personne espère atteindre un certain niveau de vie.
Ce changement peut être positif ou négatif. C'est mon point de vue, mais merci beaucoup Aristide Sommet. Zino Simporé, bonjour à tous qui êtes sur le plateau avec moi. Je crois que la célébrité change une personne si la personne le veut. Sinon, elle peut ne pas changer. Merci à vous. Voilà. Mais très sérieusement, est-ce que vraiment on peut... Sa nature change, mais l'image qu'on montre, est-ce qu'on peut ne pas changer cette image-là? Tantôt, il a pris l'exemple de « tu ne peux plus t'associer à tout le monde, tu ne peux plus être vu de tout le monde ». Mais comment on démontre à ces personnes avec qui on refuse de s'afficher qu'on les considère toujours comme faisant partie de son cercle? Là, c'est difficile. Bah oui. C'est difficile. Mais c'est ça justement qui crée tout ce qu'on est en train de parler. Parce que les gens n'arrivent pas à appréhender, les gens n'arrivent pas à comprendre que non, c'est oui, c'est la même personne, mais le fait d'être est-ce que, comme je veux dire, est-ce que ça veut dire, maestro, que si tu deviens une célébrité adulée de tous et que dans ton quartier, tu as des amis qui ont un certain nombre d'habitudes, vous étiez tout le temps ensemble, c'est dire quoi? Quand tu deviens une célébrité, tu te détaches de ce groupe? Non, je n'ai jamais dit ça. Ou comment ça se passe? Par exemple, avec tes amis, oui, avec tes amis d'avant. Oui. Oui. Voilà, on peut toujours se retrouver quelque part, entre oui, amis. Oui. Voilà, mais des personnes... Mais donc, ça veut dire que... Toi, ton changement leur impose à eux également un changement. Parce que si tu ne veux plus aller vers eux et que tu veux rester avec eux, il faut un changement d'environnement là-bas parce que toi, tu es devenu célèbre. Est-ce que c'est ce que je comprends? Mais il faut que chacun comprenne que l'autre n'est plus la même personne. Ok. C'est ouais, ça, justement. Qu'est-ce qui a changé? Oui, par exemple, j'avais pris l'exemple de Floby. Mm-hmm. Par exemple, aujourd'hui, quand tu arrives chez Floby comme ça, mm-hmm, tu vas savoir que c'est quelqu'un qui respecte beaucoup. Mm-hmm. Mais si tu es assis chez lui, même tu dis, ah, Floby, viens ici. Il va se lever, venir. Mm-hmm. Mais il faut le croiser sur la route, il dit, hey, viens ici. Il va te montrer que non, ce n'est pas la même personne. Mm-hmm. Mais tout ça, c'est la célébrité, c'est le mythe qu'il y a autour de ça. Regarde, ça, ce n'est pas affaire de célébrité. Même non, si je dis... dans le quartier, on dit, maestro, viens, tu vas aller. Mais si quelqu'un te croit sur la route et te dit, maestro, viens, un minimum de non, respect. Quand je dis quelqu'un non, croit, hein. Non, attends, je t'explique. C'est... Par exemple, ce n'est pas n'importe qui te croit sur la route pour dire, viens. La même personne qui t'a dit à la maison, viens là. Si tu te croit sur la ça route, dépend. Tu dis, ah, mon frère, ça commence, viens. Ça ne sera pas la même. Ça dépend, parce qu'il faut parler avec respect. Oh là là. Voilà, il n'y a pas de oh là là, c'est juste ça. Vous voyez? Donc, voilà, c'est moi comme ça on appelle. Pourquoi? Non, parce que. Comment, oui, alors mais qu'avant on t'appelait comme ça, tu venais. Célèbre que... Alors qu'avant on t'appelait non, de la même façon, tu venais sur la route. Moi, mais maintenant on t'appelle, tu dis non, il faut un minimum de respect. Parce que alors, toi, alors que... j'ai envie de poser cette question à Fat Touré. Est-ce que quand on devient célèbre, on se retrouve malgré soi obligé de se détacher de certaines fréquentations? C'est vrai. C'est obligatoire. Par moment, on est obligé parce que tu te dis. Elle revient. Bon, pardon, vous habitez par exemple, je prends un quartier précaire de chez nous qui tant s'appelle. Tant pis. À Bobo, je sais dis pas. Tant pis. Voilà, merci. C'est un quartier précaire, je te promets, c'est un quartier précaire. Depuis qu'ils ont un échangeur, on ne peut plus respirer. Mais s'il vous plaît. On a pris l'exemple de Tant pis, voilà. Je veux dire, quand vous venez par exemple de ce genre de quartier, bon, y a des personnes qui se disent non, mais j'ai évolué, j'ai changé, je ne vais pas retourner là-bas. Mm-hmm. D'accord, vous avez le droit. Tout le monde veut évoluer, qu'on soit célèbre ou pas. On a envie de quitter peut-être son quartier précaire pour aller dans une haute sphère, c'est normal. Mais pour moi, dire que oui, je passe devant mon quartier, je me dis, je ne m'arrête pas là. Pour moi, c'est hors de question. Moi, je suis d'Adjamé et de temps en temps, il m'arrive de partir à Adjamé, de voir tout le monde, de saluer. Mais eux, ça leur fait plaisir parce qu'ils se disent, voilà, quelqu'un, on était ensemble dans le quartier, elle a changé. Mm-hmm. Mais au moins, elle revient nous dire bonjour. Au moins, vous leur apportez quelque chose que vous n'imaginez même pas. Ça, c'est normal. C'est vrai qu'il y en a qui aimeraient bien qu'on oublie tout. Faut pas oublier d'où on vient. C'est ce qui vous permet de grandir, sinon c'est pas la peine. Mais est-ce que souvent, on ne considère pas ça comme un boulet qui nous ralentit? On suppose une personne qui a fait peut-être partie, qui a fait le mauvais choix en étant jeune, donc qui s'est peut-être retrouvée dans un gang de délinquants. Et après, heureusement, il change de vie, devient une personne célèbre, respectée, adulée, comme on le dit, que les jeunes prennent comme exemple. Ouais. En ce moment, est-ce qu'on a intérêt mais là, à ce si que vous êtes délinquant, sorte? Là, c'était déjà très négatif. Justement, est-ce qu'on a intérêt à ce que ça se sache qu'on vient de là? Bon, il y a des personnes qui ne veulent pas. Mais pour moi, quand on a une célébrité, il faut donner l'exemple. D'accord. Si vous étiez délinquant, qu'aujourd'hui vous ne l'êtes plus, vous avez un certain niveau, vous aidez des personnes, vous avez des entreprises, pour moi, il faut en parler même. D'accord. Pourquoi? Parce que ça va donner la force aux autres qui sont derrière vous, ça va les encourager booster à dire, mais si lui ou celle-là a pu sortir de là, c'est que moi aussi je peux. Parce que quand on est célèbre aussi, il faut être véhiculateur de bons
de bon, de bon caractère, de bon comportement. Bon exemple. Mm-hmm. Quand on est célèbre, il faut donner l'exemple à tout le monde. Il faut dire à cette personne-là, ben, écoute, moi aussi j'étais peut-être comme ça, j'étais comme ci, peut-être je n'avais rien, peut-être je n'avais pas de véhicule, mais aujourd'hui je l'ai. Donc si moi j'ai réussi, ben, toi aussi tu peux réussir. Est-ce que la célébrité, ça veut dire que ça impose le bon exemple? Est-ce qu'on est plus libre quand on est célèbre? Ça impose le bon exemple, ça c'est une obligation, parce qu'il y a des gens qui prennent exemple sur vous. Moi, j'ai des personnes qui me disent, moi, quand je grandis, je veux être comme vous. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vous suivent. Oui. Donc, si on vous suit, vous êtes obligé de donner le bon exemple. Par vous n'avez pas le choix. Par exemple, elle qui passe à la télé à tout moment. Oui. Par exemple, quand tu vois les enfants, elle dit, ah, c'est mon je veux ressembler à elle. Je veux être comme cette personne-là. Elle est obligée de donner un bon exemple. C'est une obligation. Donc, si elle n'avait pas un bon exemple avant, elle est obligée d'échanger pour donner un bon exemple. Oui, mais tout ça parce qu'elle est célèbre. Je reviens, on ouvre le téléphone pour tous ceux qui souhaitent appeler, participer et donner leur point de vue ou peut-être parler à notre invité. 25 37 62 90, c'est le numéro de téléphone. On l'a dit, ça ne change pas la nature d'une personne, sauf si la personne cachait sa vraie nature. Et en même temps, on nous dit, ça impose de donner un bon exemple. Donc forcément... Changement. Il y a un changement. Mais du coup, on est situé positif. Où finalement sinon, un changement positif. Donc, quand c'est positif, c'est accepté. C'est acceptable. C'est un changement. Mais on n'est pas soi. On n'a jamais dit que le changement doit être négatif. Ça, cette question, c'est pour Grâce. Est-ce que ce n'est pas une prison de s'imposer le bon exemple pour plaire? Non. Parce que là, on ne vit pas, on vit pour les autres. Oui. Non. Quand on est en changement, on vit pour les autres. Parce que si on n'est pas soi-même, ça veut dire qu'on vit pour les autres. C'est ça. Mais oui, mais non. Justement, je veux dire. Quand on accepte d'être célèbre, il faut accepter les contraintes de la célébrité. Maestro qui aime bien boire jusqu'à... Moi, je dis que c'est un changement donc, positif. Je prends l'exemple de Maestro, mais on est d'accord, hein, il est musulman, il ne boit pas. Mais je vais le dire quand même. Un Maestro qui aime boire jusqu'à pas d'heure, voilà. J'ai dit que c'était un exemple. Il boit. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va bien, et chez vous? Ça va, et qu'est-ce qu'on parle? Monsieur Zampaligré. Pardon? Monsieur Zampaligré. Monsieur Zampaligré, c'est sûr que vous allez bien? Oui, ça va bien. On a l'impression que vous n'êtes pas encore réveillé. Bon, je viens de me réveiller. Ah, ben voilà, je me disais aussi. Alors, est-ce que vous pensez que la célébrité, ça change la nature d'une personne? Oui, pour moi, la célébrité, ça change la nature d'une personne. Expliquez-nous. Mais ce qui est important, ça devrait te changer dans le mauvais et dans le bon sens. Ok. Puisque, comme par exemple le curé l'a chanté, voilà, aujourd'hui, moi j'ai un enfant béni, toujours invité sur les grands, je ne suis plus. Donc, ça veut dire, c'est un exemple. Oui. Il était petit, mais au fur et à temps, il est devenu célèbre, il est invité sur les gens. Donc, il demande à toutes les autres personnes de travailler comme lui pour devenir un grand aussi comme lui. Donc, ça devrait changer quelqu'un dans cette chambre-là. Mais si ça te change dans une autre chambre, bon, c'est pas bon. D'accord. Donc, voilà, sinon, la sécurité, ça change quelqu'un. Mais est-ce que ce n'est pas facile quand on est célèbre et que tout le monde nous aime de se dire qu'on a le droit de tout faire aussi? Bon, moi je pense qu'on n'a pas, on n'a pas le droit de tout faire. Ok. Puisqu'on peut faire des choses qui n'est pas qui ne va pas dans le sens des fans aussi. Ah, donc en réalité on vit pour les fans? Oui, il y a des fans. Merci beaucoup à M. Zampaligré. Passez une bonne journée en compagnie de nos programmes. Donc, je reviens à mon exemple. OK, un monsieur qui aime boire jusqu'à pas d'heure. L'exemple d'un monsieur. Voilà, qui aime boire jusqu'à pas d'heure parce qu'il aime ça. Il traîne dehors tard la nuit, il devient une célébrité. Il aime bien faire ça. Mais il faut qu'il abandonne ce mauvais exemple. Ah bon, c'était un mauvais exemple? Non, mais naturellement. Quelqu'un qui boit jusqu'au petit mais matin. Mais il aime ça. Mais c'est pas il bon. Il considère qu'il a besoin de ça pour vivre. Non, mais c'est pas bon, justement. Mais comment il fait? Qu'il le fasse chez lui à la maison. Ah ben, voilà, qu'il le fasse chez lui à la maison. Il s'auto-discipline seulement. Il faut d'abord définir la célébrité. Quand on connaît la célébrité, il n'y a pas de problème. Ah non, mais... C'est quoi la célébrité? On continue. C'est quoi la célébrité? Ça veut dire déjà que tu n'es pas comme les autres personnes. Mm-hmm. Quand on n'est pas comme les autres personnes, il faut s'adapter à cette situation. Et c'est normal. Bah oui, c'est vrai. Mais on peut être tristement célèbre, il ne faut pas oublier. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Comment on vous appelle? C'est Laurent Nikema. Monsieur Nikema, vous nous appelez d'où?
Samandin. De Samandin, on vous écoute. Oui. Monsieur Nikema, vous pensez que la célébrité, ça change une personne? Bon, pour moi, ça dépend du, bon, les changements dont on parle. Ok. Il y a un hic. Bon, puisque sur le plateau, Maestro, ils ont eu à donner des exemples. Mais en fait, pour moi, le changement, c'est pas la nature de la personne. D'accord. Par exemple, on est célèbre. Oui. Il y a certaines choses dont on ne peut pas se permettre, comme d'autres l'ont dit sur le plateau. Voilà. Mais, disons, rester par exemple naturel, parce qu'on avait des amis hier, aujourd'hui on n'est plus la même personne. Donc, pas parce qu'on est célèbre qu'on doit forcément se détacher de ces personnes-là. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, bon, je suis, j'ai un peu de temps. En 2012, j'ai suivi un documentaire sur le fondateur de Facebook, Max Zuckerberg. Oui. Il y a, au fait, c'est, il y avait les journalistes et autres. Au fait, on cherche à, dans le quotidien de sa vie, on le suit de près, on suit ses actions. Et du coup, on l'a vu une fois, j'étais en Chine, il était avec sa petite amie au bord de la voie, il mangeait des gâteaux. Oui. Ça a été peut-être, bon, tout le monde était étonné au fait. Oui. C'est passé dans le documentaire. Oui. Mais au fait, c'est sur ce côté-là, peut-être qu'on a fait certaines choses qu'on ne peut pas se permettre, comme Maestro l'a dit, c'est le mythe, protéger ce mythe-là. Oui. Bon, mais, peut-être dans la sans exagération. Les amis et autres, bon, c'est, on doit toujours préserver voilà, donc ces relations. En fait. Bon, Monsieur Nikema, allô? Oui, allô? En parlant spécifiquement des amis, oui. Est-ce qu'on peut continuer à être amis avec les mêmes personnes? Oui, absolument oui, avec les mêmes personnes. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. On vous souhaite de passer une bonne journée en compagnie de nos programmes. Merci, bonne journée à vous. Merci, oui. Souvent, les gens ont l'impression que comme il est devenu star, il ne veut plus nous voir parce qu'on était des amis ensemble. Mais ce que vous oubliez, par exemple, peut-être que son métier a grandi. Mm-hmm. Par exemple, tu étais dans le quartier, tu avais des amis autour desquels vous faites vous prenez le thé et autres. Mais aujourd'hui, peut-être que tu as commencé à chanter, tu es devenu artiste. Tu as besoin de voir Floby pour demander des conseils. Tu as besoin de voir Kevinson pour arranger. Et lorsque les amis te voient que non, tu ne viens plus au grain, quand tu expliques ton travail, on dit non, c'est parce qu'il a réussi, il n'est plus avec nous. Il est tout... Mais c'est comme ça. Mais justement, quand les c'est amis. Ça justement. Quand les amis considèrent ça, est-ce qu'il ne faut pas prendre le temps de leur expliquer le changement? Mais est-ce que tu peux te promener de porte en porte pour expliquer à tout le monde? Celui qui te voyait passer tous les jours, il dit, ah, depuis qu'il a réussi, il ne passe même plus devant ma porte. Pourtant, le gars, il rentre, il bosse chez Kevinson, il descend. Donc, c'est dire quoi? Quand c'est comme c'est ça, on se détache de ces personnes pour avancer? Non, mais on fait avec, mais c'est à eux de comprendre que non, c'est le métier, c'est ta personnalité qui est devenue comme ça. Alors, message sur Facebook, nous avons... Ah, on revient, allô? 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 Bah, apparemment, notre auditeur est parti. Allô? Toujours là? Toujours oui. Pas? Ah, elle est là! Comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous. Ça va également. Comment on vous appelle? C'est Sarah Gagulatou. Alors, comment est-ce que vous pensez que la célébrité influence la vie d'une personne? Est-ce que la célébrité change une personne? Bon. Allô? Je peux dire que si la personne, ça ne change pas, mais les habitudes, oui. Ce sont les habitudes qui changent, pas la personne? Non, la personne, non. Mais oui. Oh. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Okay. Passez une bonne journée. Voilà. Alors, je comprends ce qui est en train de se passer. Quand vous nous appelez, chers téléspectateurs, il faut couper le son de la télévision. Parce que vous nous recevez avec un petit décalage qui fait que si vous écoutez à la télé, on va avoir du mal à communiquer ensemble. C'est juste ça qui se passe. Donc, on coupe le son de la télé et on se concentre sur la communication. Vous allez voir que tout va très bien se passer. Et je lisais le commentaire de Adama Compaoré qui dit « Oui, ça change sur tous les aspects. Même genre, tu as un ami, du jour au lendemain, il devient célèbre. Même ton SMS, il ne va plus reprendre. » Alors, est-ce qu'il n'arrive pas qu'on se retrouve à changer de numéro de téléphone parce que oui, désormais, il faut passer par un agent, par un impresario et tout cela. Du coup, le numéro change. Ça commence à venir. Ah. Ça commence à venir. C'est vrai, parfois, on est obligé de changer de numéro. Du voilà. Coup, est-ce qu'en ce moment, on n'a pas l'impression, volontairement ou involontairement, on se détache forcément de personne? Parce qu'on ne pourra pas rappeler tout le monde et dire, ah, tiens, voilà mon nouveau numéro. Et tout. Oui, donc. Effectivement, on ne peut pas appeler tout le monde, vous dire, oui, j'ai changé de numéro de téléphone.
personnes où désormais, si vous voulez me parler, il faut passer par mon manager. Ah, je me souviens, là, il y a pas longtemps, il y a une dame qui m'avait appelée pour faire sa publicité avec qui j'avais travaillé à l'époque. Mm-hmm. Donc, quand elle m'a appelée, je lui ai dit, écoutez, madame, c'est qu'on va faire, je vais vous donner le numéro de mon manager. Elle fait ça, tu es le manager. Ah ben, vous voyez. Je lui ai dit non, en fait, c'est pas ça. C'est lui qui s'occupe de mon programme et tout. Donc, appelez-le s'il y a un souci. Après, on se rappelle derrière. Mais j'ai eu l'impression qu'elle était un peu frustrée parce qu'elle se disait, mais pourquoi c'est pas avec moi qu'elle parle directement? Donc, c'est un peu difficile quand même. Il y a des petites choses qui changent. Forcément. Les autres n'arrivent pas à comprendre alors que, bon, c'est compliqué. Vous voyez, c'est obligé. Quand on est célèbre. Mais pour moi, il ne faut pas changer son comportement. C'est le comportement. Mais après, tout autour, il y a des choses. La personne aura l'impression que tu as changé ton comportement. On revient, maestro. Oui, allô. Bonjour, comment vous allez? Oui, ça va très bien. À qui est-ce qu'on parle? À Daouda Kabore. Monsieur Daouda Kabore, vous nous appelez d'où? Depuis Tampu. Oh, depuis? Tampu. Je vous appelle depuis Tampu. Oui, j'ai entendu Tampu. En fait, vous voyez ce qui se passe, la communication est difficile parce que vous nous appelez de Tampu. Mais à Tampu, il y a le réseau. J'ai jamais de Tampu, on ne comprend même pas. Alors, est-ce que la célébrité, ça change l'homme? En tout cas, l'échangeur a changé les gens de Tampuy. Ça souffre d'aucun débat. Mais là, est-ce que la célébrité change une personne? Pour moi, la célébrité change une personne. Ok, expliquez-nous. Positivement. Ok. La célébrité est une réussite qui ne dit pas son nom. Ok. Quand un enseignant devient un inspecteur, oui. Il a monté des grades. Oui. Il devient célèbre. Oui. Un militaire, oui. Un soldat, oui. De première classe, qui monte de grade, qui devient un colonel, oui. Il est devenu célèbre. D'accord. Un journaliste, un cinéaste, un artiste musicien, oui. Voilà, qui devient célèbre. Mmh. Il a réussi. Oui. Il devient célèbre. D'accord. Mais pas pour dire qu'il va abandonner tous ses anciens habitudes. Mais il y en a qui va abandonner quand même. Oui, on abandonne, mais pas totalement. Mm-hmm. Parce que ton temps ne te permet plus de faire certaines choses. D'accord. Par exemple, tu étais matin, midi, soir au grain. Tu deviens célèbre. Oui. Tu ne peux plus être au grain matin, midi et soir. D'accord. Voilà. Pour quelqu'un qui veut te voir, tu lui dis, passe à la maison. Mais s'il te dit que c'est parce que tu es devenu célèbre, mais je ne vais pas passer. Non. C'est ton temps qui ne te permet pas. OK. Donc, quand on dit qu'une personne est célèbre, à mon humble avis, je peux dire que c'est une réussite, puisqu'on ne te connaissait pas avant. Maintenant, on te connaît. C'est le métier qui t'a amené à monter des échelons. Voilà. Donc, il y a des gens qui vont t'accuser parce que tu es devenu célèbre. Même tes frères, même ton épouse ou ton mari te dit que voilà, tu n'as plus le temps pour moi parce que tu es devenu célèbre. Non, il faut comprendre. C'est un changement de vie. Oui. Voilà, maestro qui est assis en face de vous. Oui. Il est tout en présent dans les mariages, oui. Et ses frères et soeurs, oui. Un peu partout. Mais il y a des choses qu'il n'arrive plus à faire. Uh-huh. C'est clair. C'est vrai. Même chose comme Stéphanie Zongo. Voilà. Donc, quand une personne devient célèbre, oui. Il ne faut pas l'accuser. Il y a une D'accord. question de temps. La célébrité, le travail va augmenter. Oui. Tu vas beaucoup voyager. Oui. Tu dois préparer des émissions, des discours. Oui. À mon nouvel avis, la célébrité fait changer. Donc, d'accord. Merci beaucoup pour ce raisonnement très clair. Et on va, je pense qu'il va être notre dernier téléspectateur pour le jour parce qu'on va prendre des avis, dernier tour de table parce qu'il nous reste 10 minutes d'émission. Oui, vas-y. Je profite de son exemple pour donner le cas de quelqu'un qui était dans le quartier qui devient par exemple un ministre. Voilà, vous voyez que maintenant, lui, il parle de conseil de ministre, il parle de rendez-vous avec le président. Vous voyez, automatiquement. Il n'a plus le temps d'être au grain. Il n'a plus le temps d'être au grain. En fait, pourtant, il a fini ses études, on était tous des chômeurs, nous on payait le prix. Maintenant qu'il est ministre, il ne parle pas de nous.
Est-ce que souvent, est-ce que souvent le changement ne vient pas des autres? Je veux dire, est-ce que ce n'est pas les autres souvent qui refusent de comprendre et d'accompagner? Ça commence à venir. Parce qu'il y a ceux qui... Il y a ceux qui comprennent, qui se disent c'est normal, il ou elle n'a plus le temps. Et ceux qui sont toujours en mode, oui, mais non, il n'a plus le temps des gens. On ne savait qu'il était comme ça. Bon, est-ce que le changement, c'est vraiment sur la personne qui est devenue célèbre? Question pour tout le monde. Mais souvent, c'est l'entourage. Même eux, ils essaient de ne pas trop s'approcher parce qu'ils se disent, eux, que vous n'êtes plus la même personne. Mm-hmm. Sinon, ils savent même que tu n'es plus la même personne. Oui, tu n'es plus la même personne parce que tu as changé. Il y a certaines choses qui ont changé et tout. Mais pour moi, si on est déjà proche de cette personne-là où on a grandi ensemble, où on se connaissait depuis, il n'y a pas d'appréhension. C'est la même personne. Oui. Elle est juste aujourd'hui peut-être plus célèbre, ou plus vue, c'est tout. Mais c'est la même personne. C'est la même personne, ok. Bah, on espère que vous avez compris, c'est la même fat. C'est la même. Armel? Oui, je trouve que c'est l'entourage souvent qui exagère un peu avec l'histoire de célébrité et elle a changé. Parce qu'il y en a qui, quand elle vient vers toi, c'est à ce moment, elle se rend compte que tu es toujours toi. De ceux qui disent que ah, maintenant, elle est célèbre, elle fait le malin, c'est quoi, c'est quoi. C'est en s'approchant vraiment de toi qu'il se rend compte que tu es toujours resté toi et tu n'as pas du tout changé. D'accord, merci beaucoup Armel. Grâce. Oui. Tu dormais ou quoi? C'est tellement vrai ce qu'elle dit que voilà. Du coup, tu dis rien. Oui, je vais répéter la même chose en fait. Donc on va t'éviter cela, on va directement aller à Maestro. Oui, c'est pour dire, quand on est célèbre, il y a un mythe autour de toi. Il faut tout faire pour garder ce mythe. Parce que quand ce mythe finit, vous n'êtes plus célèbre. OK. Alors, Abdoulaziz, oui, qui nous dit, la célébrité ne change pas une personne. Elle révèle plutôt sa personnalité, sa vraie nature. Alors, Vincent. S'il devient célèbre, c'est qu'il aura changé. On a Azir Ouedraogo, comment vous allez? Oui, la célébrité change une personne parce qu'il peut te pousser à faire des choses que tu ne faisais pas. Merci beaucoup, bon vent. Émile Nana qui nous dit, la célébrité change l'homme. Quand on est célèbre, il faut adopter ses habitudes, des habitudes assez particulières. Donc, c'est son point de vue. Amadi Nikema, bien sûr que la célébrité change une personne. Mamata Kouraougo, bien sûr que la célébrité change une personne. Étant célèbre, tu verras des gestes et à ton égard que tu ne croyais pas. Par exemple, le respect, la popularité. Donc, même si tu ne veux pas, tu vas changer. On a Il Boudo fidèle. Non, elle met à nu le vrai caractère d'une personne. Quand une personne devient célèbre, on peut apprécier son vrai comportement. Soit il devient très gentil ou bien il devient mauvais. Mais tout cela existait en lui. Il avait besoin seulement d'une situation favorable pour l'exprimer. Exactement. Mandé Oumar qui dit, la célébrité change quelqu'un et c'est naturel. Et normal, c'est la nature de la personne qui va qualifier le reste. On a Jacques qui nous dit, oui, parce que étant célèbre, tout ce que tu fais est très vite remarqué par les gens, dont il y a certaines habitudes qu'une fois célèbre, on doit tout faire pour laisser. Oui, Maestro l'a dit, il faut arrêter de boire jusqu'à pas d'heure. C'est ça. Roland Namano qui nous dit, il a fallu d'abord qu'il change afin de pouvoir devenir célèbre. Donc, une fois célèbre, on doit avoir des principes pour ne plus revenir à la case départ. Donc, pour lui, le changement précède la célébrité et ensuite, il faut s'arranger pour rester. Siméon Dayamba, oui, la société peut changer une personne, je pense qu'il voulait dire la célébrité, car étant célèbre, tu changes aussitôt d'habitude. Ismarli Koulibaly, la célébrité change une personne, car une personne célèbre est une star, c'est une vedette. Or, on ne peut pas être dans ces figures sans être changé. Une star, une vedette, ne peut pas ne pas changer, dit-on, Fat. Alors, peut-être que ceux qui vous côtoyaient avant diront « elle a changé ». Vous pensez que les gens diront que vous avez changé ou pas? Bon,
forcément, il y a peut-être quelques personnes qui le diront, peut-être qu'ils appréhendent de s'approcher, ou bien peut-être vous êtes passé quelque part, vous ne les avez pas vus, ou vous les avez vus, mais vous n'avez pas salué. Donc, il y aura forcément des critiques. Mais mes amis que j'ai depuis très longtemps, j'ai les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la personne qui a voulu le numéro qui n'a pas eu dira forcément qu'elle a changé. Ouais, effectivement, bah, oui, effectivement, il dira qu'elle a changé. Exactement. Donc, on est à 2 minutes de la conclusion de cette émission. On va dire merci à tous ceux qui nous ont écrit. Il nous reste encore beaucoup de messages. Malheureusement, on ne pourra pas tout lire, mais on vous dit vraiment un grand merci à vous qui avez appelé, à vous qui nous avez regardé et à vous qui nous avez écrit. Merci à chacun d'entre vous. Et on rappelle Fat qui joue dans la série Amour et mensonge. Amour et mensonge, donc en compétition dans la catégorie série. Ah, il faut donc, venir si tu veux le voir, c'est tout simple. Le 27 à 13h au Senaza. Et le 28 jeudi à 9h à Canal Olympia Ouaga 2000, vous pourrez voir ce film qui est en compétition. Et justement, toujours le 28 de 16h jusqu'à je ne sais pas quelle heure. C'est la soirée de la série africaine. Donc vous allez pouvoir voir toutes les séries en compétition et vous en mettre plein la vue. Qu'on me le dit, et après savoir quelle est la série qui repart avec le prix de la meilleure série pour cette édition. Ça sera nous. Bah oui, on vous souhaite bonne chance à merci vous beaucoup. Et à chacun d'entre vous, grâce à un dernier mot. Oui, je vais dire merci à. Il y a quoi ? Ça s'est réveillé. On va dire merci à Say Design pour la tenue. Une très belle tenue. Oui, il est situé au niveau du CAO, vers le CAO. Mm-hmm. Arrivé devant le CAO, même il faut l'appeler sur le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Et il va vous... 78 30 voilà. 76 05. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une très belle robe. Merci. Vous n'avez pas vu la robe en entier. Nous, on l'a vue. Et on peut vous garantir que c'est une très belle robe. Alors, toi, maestro. Bah, j'ai dit merci à Fleur Fashion pour la chemise. D'accord. Voilà. Grâce. Grâce. Armel. J'ai dit merci à moi-même. Je suis fatiguée. Oui, voilà. Et on dit merci à Armel pour le maquillage. Un dernier message pour tous ceux qui nous regardent. Ben déjà, je suis très heureuse d'être à Ouaga. Franchement, les Burkinabés, c'est comme les Ivoiriens. On est pareil, tout se passe pareil. Franchement, je suis très heureuse d'être là. Oui. Quand j'ai regardé l'ouverture du FESPACO, j'étais fière d'être africaine. Je dis, mais on peut faire des choses extraordinaires. Mm-hmm. Franchement, donc moi, je vous invite à venir nous suivre. Les coups de la vie, c'est près de 100 épisodes. Hein. Oui. On a tourné beaucoup. Vous aurez l'occasion également de voir les autres séries de mes autres collègues. Mm-hmm. Je profite pour remercier mon réalisateur, Alain Guicou, et le producteur également, Franck. Venez regarder cette série, c'est explosif. Ouais. On a vu la bande-annonce, franchement, ça promet. Stéphanie. Donc oui. On a quand nous invité à Abidjan. Okay. Vous êtes tous invités. Venez, on va aller célébrer la victoire. Oui, c'est ça, la victoire. En tout cas, bonne chance à vous, bonne chance à tous les réalisateurs en compétition dans cette catégorie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et à la production, à la réalisation. On dit merci à chacun d'entre vous. Rediffusion de ce numéro à 17h ce soir et à 0h pour tous ceux qui ont raté le direct. Et on se dit à demain avec la team du mardi pour un autre sujet, de nouvelles rubriques dans un nouveau contexte. En attendant, prenez grand soin de vous. Restez fidèles à nos programmes.